On fait face à une crise de la perception du long terme. C'est-à-dire que on fait face à une situation où nous avons des enjeux extrêmement forts, violents, à des horizons qui ne correspondent pas à nos horizons de décision aujourd'hui. Je crois que c'est ça une des clés, une des problématiques que certains ont traduit en disant, Marc Carné avait traduit en disant, on est dans une tragédie des horizons. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que nous avons un monde économique, un monde financier qui regarde toujours à court terme, beaucoup trop à court terme encore, alors que nous faisons face à des enjeux qui sont des enjeux de long terme, des mutations extrêmement fortes de nos sociétés, du monde. Et d'une certaine façon, la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui est une espèce d'alerte qui est terrible, mais en même temps assez intéressante d'un point de vue de son impact sur ces différents sujets, puisqu'elle remet en quelque sorte tous les impacts que l'on imaginait à long terme, elle repositionne aujourd'hui très violemment sur le court terme. Et donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir une espèce de test grandeur nature de ces grands enjeux, de ces grandes tendances long terme, en étant confronté à une crise extrêmement violente et extrêmement soudaine. Je ne pense pas qu'il y ait une question de non-volonté ou de complot ou de système qui se refuse à voir. Et puis d'abord, ce n'est pas seulement le système financier. Moi, je pense qu'il faut parler du système économique et financier. La finance n'est qu'un des éléments de l'imbrication d'autres enjeux, d'autres intérêts industriels, numériques maintenant. Ce système-là, aujourd'hui, oui, il est incapable il n'est pas incapable de voir, il est incapable d'intégrer dans ses décisions aujourd'hui ce qu'il voit. Hein. C'est-à-dire qu'il voit bien effectivement les effets à 5 ans, à 10 ans, mais il voit aussi les effets court terme. Et lorsque ces deux effets ont des conséquences contradictoires, il est incapable de prendre l'effet long terme comme un élément prépondérant et dominant. Et effectivement, il est construit comme ça. Et une des problématiques majeures, je pense aujourd'hui, notamment dans le monde de la finance, quand on parle de finance durable, finance verte, c'est que toutes les évolutions que l'on voit et qui sont réelles, je crois qu'il y a effectivement une évolution qui est en train de se produire, elles sont malgré tout toutes un peu à la périphérie du système. C'est-à-dire que on va améliorer l'allocation d'actifs, on va mettre un peu plus de verre, on va prendre en compte des enjeux environnementaux et sociaux, on va les mesurer, on va s'intéresser à la gouvernance des entreprises et puis faire de l'engagement vis-à-vis des entreprises. Tout ça est intéressant, mais tout ça est malgré tout à la périphérie du système. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choses qui s'attaquent au cœur du système, qui est le fonctionnement même des marchés, qui est la croyance dans le fait que le prix de marché est un indicateur essentiel et qu'il dit la vérité, sur le fait que on a toujours cette vision extrêmement court terme de publication trimestrielle des résultats des entreprises, tout le fonctionnement même des marchés aussi sur la croissance des produits complexes, des produits dérivés, le trading de haute fréquence, tous ces éléments-là, on a énormément de mal à les attaquer de front. Moi, je l'ai vécu de façon assez claire quand j'étais membre du groupe d'experts sur la finance durable de la Commission européenne en 2018. On a passé un an à essayer de faire un plan avec des recommandations sur la finance durable. Toutes les recommandations qui étaient effectivement, comme je le dis, un peu à la frontière, ou permettant d'améliorer les choses, mais sans changer profondément les choses, on a réussi à les faire passer, et c'est aujourd'hui le plan de la Commission européenne. Dès qu'on a voulu s'attaquer au cœur du système, ça a été beaucoup plus difficile. Comment on s'attaque au cœur du système? Ça, c'est vraiment la grande question. Et puis la question que je me pose aujourd'hui aussi sur l'évolution de la finance durable, précisément parce que justement, elle se généralise. Pour moi, aujourd'hui, on est à un moment charnière où toutes ces problématiques de finance durable ou d'économie durable, qui étaient des problématiques un peu, je dirais, parallèles, un peu de niche.
pendant les 10 dernières années, hein, sont en train aujourd'hui d'être mise sur la table, au cœur du sujet. On ne peut plus parler aujourd'hui de finances sans parler d'impacts environnementaux et sociaux. Tous les grands gestionnaires d'actifs en parlent, toutes les banques en parlent. Donc c'est devenu un sujet mainstream, comme on dit en anglais. Pour autant, la question aujourd'hui est de savoir si ce passage à la globalisation du sujet est un élément très positif ou inquiétant. Alors, il est évidemment très positif parce que c'est ce qu'on cherche à faire depuis le début. On n'a pas, enfin, moi je milite dans la finance durable depuis 10 ans avec beaucoup d'autres, avec beaucoup de pionniers, et on n'a pas fait tout ça pour rester microscopique et un élément à côté du système. On a fait tout ça pour que justement le système change. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce système n'est pas en capacité de digérer, en quelque sorte, ce qu'ont fait les pionniers et la finance durable en l'intégrant dans un business as usual? Et c'est ça, je pense, le risque majeur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est un système financier qui ne change pas en profondeur, qui est une inertie extrêmement forte, qui reste dans le business as usual, mais qui intègre et qui digère en quelque sorte les quelques éléments de finance durable qui va prendre par-ci et par-là pour changer son discours sans changer réellement son fonctionnement profond. Ça me paraît vraiment être l'élément fondamental. Et c'est vrai pour la finance comme c'est vrai pour le reste de l'économie et ce qu'on appelle la transition. C'est-à-dire que si la transition n'est pas une transition profonde, mais une transition un peu trop superficielle, alors on va aller forcément dans le mur. Et donc ça, c'est mon inquiétude profonde aujourd'hui. Et donc ça veut dire que si on veut s'attaquer à ce monde profond, je pense qu'on a besoin de coalition. Je ne crois pas que le changement de la finance puisse se faire uniquement à l'intérieur du monde financier par les financiers. Ni le changement de l'économie uniquement avec les entreprises, ou en tout cas en restant dans le fonctionnement actuel un peu en silo où l'entreprise est là pour générer du profit, les ONG sont là pour pousser certaines idées, les politiques pour réguler, et ainsi de suite. Je pense qu'on a absolument besoin aujourd'hui, si on veut faire bousculer et changer les choses, d'avoir une coalition de ces différents acteurs. Alors c'est ce qu'on essaie de faire vraiment dans tout ce qu'on entreprend dans le domaine de la finance durable, en associant bien des ONG, en associant des investisseurs publics, des investisseurs privés, et en essayant aussi de réfléchir au rôle de l'entreprise et à la façon dont l'entreprise peut jouer un rôle qui soit cohérent avec l'intérêt général. Déjà, sur le fonctionnement de la finance et des marchés en tant que tel, c'est revenir à une vision assez simple de ce qu'est un investisseur et un financier. Un investisseur, un financier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait confiance à un homme, une équipe, une entreprise, un projet, qui aime ce projet, enfin, qui le trouve pertinent, qui le trouve intéressant, et on ne trouve pas un projet intéressant pour la semaine qui vient, ou pour le mois qui vient. On trouve un projet intéressant s'il se déploie sur longue période, hein, s'il a une vraie valeur à long terme. Donc c'est ça pour moi, je pense, l'idée de la finance, c'est se dire l'argent que je transporte dans le temps, je veux que lorsqu'on me le rend, le monde soit meilleur en quelque sorte, c'est-à-dire que les projets que j'ai accompagnés aient réussi. C'est ça l'idée de la finance. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un marché financier et comment il fonctionne ? L'idée, c'est que quand on est sur du très court terme, vous achetez une action aujourd'hui, si votre objectif est de la revendre la semaine prochaine, à la limite, le fait que le projet ait réussi ou pas n'a aucune importance pour vous. La seule chose qui a de l'importance, c'est de savoir si la semaine prochaine, la valeur de l'action sera supérieure à celle d'aujourd'hui. Et donc ça, vous savez très bien que l'évolution sur cette semaine-là n'a aucun lien avec la réussite du projet. Ça a un lien avec tout un tas d'autres choses, avec des annonces qui ont lieu, le prix des matières premières, tel événement géopolitique, ou simplement la perception que les agents de marché vont avoir sur cette entreprise à tel ou tel moment. Donc on est en train de regarder non pas le projet en lui-même, mais l'action, la valeur, le titre, en quelque sorte, qui est quelque chose qui est dématérialisé, on va dire là pour le coup, réellement, et qui ne représente pas le projet.
C'est ça ce que les marchés aujourd'hui ont fabriqué, en quelque sorte, le fonctionnement des marchés a fabriqué. Donc comment est-ce qu'on fait pour revenir à un fonctionnement qui redonne la confiance ? Eh bien, il faut redonner de la valeur au long terme. Alors ça passe par beaucoup de choses. Hein. Ça passe par exemple par de l'actionnariat actif, et donc la capacité à s'engager avec les entreprises, à voter aux assemblées générales, à échanger avec les entreprises. Ça passe aussi par la valorisation, la récompense de détenir des actions sur le long terme. Nous, on est très favorable à du dividende différencié ou à du droit de vote différencié, par exemple du double droit de vote pour les actionnaires qui détiennent des actions pendant plus de 2 ans. Donc ça permet de redonner le pouvoir à ceux qui ont réellement une vision sur le projet de l'entreprise. Et puis ensuite, il faut effectivement qu'il y ait une réelle prise en compte des impacts environnementaux et sociaux. Et ça, c'est aussi un contrat entre les investisseurs et ceux qui gèrent leur argent. Et c'est pour ça que ça implique aussi que ceux qui placent l'argent, les bénéficiaires finaux de cette épargne, retrouvent aussi du pouvoir. Et ça, c'est un élément qui aujourd'hui est quasiment inexistant, c'est-à-dire que qui sont les bénéficiaires finaux, finalement, de l'argent que l'on gère ? Dans le monde de la finance, le terme anglo-saxon, on parle d'asset owners quand on parle des fonds de pension ou des investisseurs institutionnels. Donc ce sont eux qui sont considérés comme étant les propriétaires, les détenteurs d'actifs. C'est une usurpation totale de propriété, on va dire, puisque le fonds de pension n'est pas propriétaire de ses actifs, hein, n'est pas le destinataire, le bénéficiaire final. Le bénéficiaire final, c'est l'épargnant. Le bénéficiaire final, c'est le futur retraité. Tout ça, cet argent-là, il est bien, au bout du bout, au bénéfice d'un citoyen. Or, les citoyens en question aujourd'hui sont dépossédés de leur capacité à influer sur la façon dont cet argent est utilisé. Totalement dépossédé. Quand vous placez votre argent aujourd'hui à la banque, dans un contrat d'assurance vie, dans un fonds d'investissement, la capacité de dire « moi, je ne veux pas qu'on investisse dans tel secteur » ou « je suis particulièrement attentif à tel ou tel impact » n'existe pas. Encore moins sur les fonds de retraite, où là, les fonds de pension sont détenteurs des actifs, et où, alors là, les bénéficiaires futurs ne sont jamais interrogés sur la façon dont ils ont envie qu'on gère leurs actifs. Et jusqu'à un tel point que ce qu'on appelle la responsabilité fiduciaire, c'est-à-dire que ces fonds de pension sont censés n'avoir comme objectif que de maximiser la valeur future financière des actifs qu'on leur donne à gérer, alors que peut-être les bénéficiaires sont très soucieux du fait qu'on n'aille pas à plus 4 degrés au niveau de la planète. Eh bien, c'est pas du tout pris en compte aujourd'hui dans le système. C'est-à-dire qu'on a positionné entre le bénéficiaire final, entre l'épargnant, le citoyen, le futur retraité, et la façon dont cet argent est investi, on a intercalé plusieurs intermédiaires extrêmement forts, extrêmement puissants, qui ne s'intéressent pas particulièrement à ce que pensent leurs bénéficiaires et leurs épargnants, et donc, du coup, qui gèrent l'argent comme si c'était eux qui devaient définir l'allocation du capital. Et donc ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut redonner du pouvoir aux épargnants. Alors il y a des évolutions réglementaires qui sont en discussion et en cours sur ce sujet. C'était une des recommandations qu'on avait portées dans le groupe d'experts au niveau de la Commission européenne et qui a été reprise par la Commission européenne, qui consiste à dire, eh bien déjà, au niveau de l'épargne des ménages, quand un épargnant vient dans une banque et souhaite placer son argent, eh bien il faut lui poser des questions sur ses préférences environnementales et sociales. Donc s'il dit, moi, écoutez, le climat, c'est un sujet essentiel pour moi, eh bien vous devez le lui demander. Il doit le dire et vous devez lui proposer des produits qui sont en adéquation avec ce qu'il a dit. Ça, c'est un élément très important. Et on devrait faire la même chose sur les fonds de retraite. Donc voilà quelques pistes pour réorienter ça. Une autre piste très importante, c'est évidemment toute la partie normes et normalisation et réglementation, qui je pense, est clé aussi. Et essayer de comprendre aussi que ces normes financières, on doit... et notamment l'Europe, doit se les réapproprier. On doit reprendre la maîtrise de nos normes financières. Aujourd'hui, l'Europe a abandonné l'écriture des normes financières à d'autres,
aux Américains pour l'essentiel, ou à des entités supranationales très difficiles à maîtriser. Je pense que c'est une question de souveraineté. Si on ne définit pas ce que c'est qu'un marché financier, si on ne définit pas ce que c'est qu'une agence de notation, comment elle doit se comporter, si on ne définit pas quelle est la transparence nécessaire que l'on demande aux agents financiers, tout ça, ce sont des réglementations que les Européens doivent se réapproprier. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la structuration des marchés, hein, toutes les agences de notation sont des agences américaines, y compris les agences extra-financières, c'est-à-dire les agences qui mesurent les impacts environnementaux et sociaux, ont quasiment toutes été rachetées par des acteurs américains ces dernières années. Si on ne prend pas conscience de ça, on n'arrivera pas à réorienter effectivement le système dans le sens que l'on souhaite. Alors, on est au pied de la montagne, je pense, oui. Mais enfin, on a atteint le camp de base. On a atteint le camp de base. C'est-à-dire que tous ces sujets-là, qui étaient complètement dans l'angle mort jusqu'à présent, aujourd'hui sont visibles, sont présents, sont discutés, sont à l'agenda. Et ça, c'est franchement déjà une première étape extrêmement importante qu'on a réalisée ces dernières années. Maintenant, on est au camp de base, il faut gravir la montagne. Et ça, c'est effectivement une nouvelle étape difficile. On est à un moment donné de bascule. Et bon, on voit bien que ce qui s'est passé et ce qui se passe avec la crise sanitaire là, ce sont des éléments, des moments un peu forts, difficiles, mais souvent déclencheurs aussi de prise de conscience. Depuis le début de cette année, il y a une bascule sectorielle qui s'est opérée dans les marchés, qui est très importante. C'est-à-dire que tous les secteurs carbonés sous-performent massivement, alors que tous les secteurs qui sont liés au développement durable et aussi au numérique, donc l'économie de demain, on va dire, sont en train de surperformer de façon importante. Pourquoi ? Parce que les acteurs financiers, c'est pas par éthique ou parce qu'ils se disent que le monde d'après, il faut qu'il naisse aujourd'hui. C'est simplement parce que les acteurs financiers ont compris que le rapport de force est en train de changer, que ce qu'on a connu ces dernières années, c'est-à-dire un désengagement total des États au profit des entreprises, notamment des grandes entreprises internationales, il y a un mouvement de balancier qui va s'opérer dans l'autre sens. Les États reprennent du pouvoir avec la crise sanitaire, on le voit bien, et donc notamment tout ce qui est tous les plans de relance qui vont être lancés, ce sont les États ou l'Europe qui vont les mettre en place, et on voit bien vers où vont aller ces plans de relance. Voilà. Ils seront plus ou moins verts, mais ils seront verts, de façon évidente, parce que c'est ce que demande aujourd'hui l'essentiel des citoyens. Et donc on va aller vers ça. Et ça, les marchés aujourd'hui sont en capacité d'anticiper aujourd'hui ces évolutions. Et donc cette bascule sectorielle est en train de s'opérer. De la même façon, sur le rôle de l'entreprise, tout ce que nous racontons depuis des années qui consiste à dire l'entreprise n'est pas une île isolée, indépendante complètement de son environnement, de sa communauté, mais quelque chose de connecté à l'intérêt général, eh bien, là, on a une preuve absolument évidente qui nous saute aux yeux. On voit bien qu'une entreprise sans la santé publique, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'économie sans santé publique. Un restaurant avec un super chef, eh bien, quand il n'a pas de clients parce qu'ils sont cloisonnés à domicile, eh bien, il fait faillite. Ça, donc ce lien entre l'entreprise et l'intérêt général est vraiment un élément clé. Et donc l'entreprise n'est pas juste une entité juridique qui est la propriété de ses actionnaires, mais c'est un projet collectif qui réunit des actionnaires, des salariés, des fournisseurs, une communauté, des territoires. Et donc c'est en combinant tout ça qu'on peut réussir à pérenniser ce projet. D'où effectivement toutes ces réflexions sur l'entreprise à mission qui ont été lancées en France. Cette idée d'entreprise à mission que la loi PACTE a introduite en France l'année dernière, et je trouve très intéressante parce que clairement, elle remet l'entreprise dans un contexte plus large. Le contexte plus large, c'est quoi ? C'est l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi ? C'est, on va dire, les objectifs du développement durable de l'ONU, on va dire. Une espèce de business plan de la planète à horizon 2030, et puis il y en a d'autres à horizon 2050, l'accord de Paris, enfin voilà. Ce grand cadre-là, on sait vers où on veut aller. Eh bien, si c'est ça l'intérêt général, moi j'ai une entreprise, je suis une entreprise, comment je m'intègre là-dedans ?
quelle est la mission que je me donne qui est en cohérence avec cet intérêt général? Est-ce que c'est de construire des infrastructures durables? Est-ce que c'est d'apporter de l'alimentation saine? Est-ce que c'est de construire des produits financiers qui prennent en compte les facteurs environnementaux, les impacts environnementaux et sociaux et avoir un impact positif? C'est ce que nous avons défini, nous, par exemple, Mirova, comme mission. Et donc, on définit cette mission et puis ensuite, on met autour de la table l'ensemble des parties prenantes qui vont venir s'assurer que cette mission, que tout ce qu'on fait dans le développement de l'entreprise est cohérent avec cette mission. Je trouve que cette vision-là est très intéressante. Elle a été développée notamment par des chercheurs que nous, on soutient chez Mirova depuis un certain nombre d'années, qui sont les équipes de l'École des Mines et du Cercle des Bernardins, donc Armand Actuel, Blanche Segrestin. Donc, ce sont des chaires de recherche sur la gouvernance et le rôle des entreprises qui ont abouti à ça. Donc, cette évolution politique, elle vient de loin. Elle vient d'une vraie réflexion académique, pratique, qui aboutit finalement à une évolution réglementaire. Nous, on a conçu Mirova depuis le démarrage comme une espèce de, on dit en anglais, proof of concept. Donc, essayer de démontrer que c'est possible à une échelle relativement à la fois petite et grande, si vous voulez. C'est-à-dire que à une échelle petite, parce que nous gérons aujourd'hui 14 milliards chez Mirova, que c'est beaucoup d'argent, mais que 14 milliards comparé aux grands gérants d'actifs internationaux, ça reste petit. Hein, c'est des milliers de milliards, les grands gérants d'actifs internationaux. Mais à la fois une taille suffisante pour démontrer que c'est pertinent et faisable. C'est-à-dire qu'on est en capacité de gérer de l'argent, d'être un vrai investisseur, générer des projets, de la croissance, et de réellement prendre en compte les impacts avec une très forte conviction. Donc on a voulu le faire sur une très large gamme d'investissements, parce qu'on pense que précisément il faut sortir des niches. Et donc on gère de l'argent pour des investisseurs très variés, donc ça va des clients de nos réseaux actionnaires, caisses d'épargne et banques populaires qui peuvent placer leur argent dans leur caisse d'épargne, l'épargne salariale des Français, une grosse partie que nous gérons, de la gestion solidaire, et puis de l'argent qui vient aussi de grands investisseurs institutionnels français, internationaux, à plus long terme. Et nous investissons dans des actifs qui vont des actions cotées de grandes entreprises internationales jusqu'à des projets extrêmement spécifiques de l'économie sociale et solidaire française, en passant par des projets d'énergie renouvelable, par de la restauration des terres dans les pays en développement et par le marché des obligations vertes, qui est aussi un élément de financement de l'ensemble de ces projets de croissance durable. Ce qu'on veut démontrer, justement, c'est qu'au contraire, on peut utiliser le marché comme un outil réel. C'est-à-dire que si on apporte des projets qui sont très risqués et très peu rentables, on trouvera peut-être de temps en temps un ou deux plus ou moins investisseurs philanthropes qui vont nous suivre, mais c'est pas comme ça qu'on va passer à l'échelle. Donc nous, on a voulu démontrer que précisément, on peut apporter toute la gamme de combinaisons risque-rentabilité qui correspond au marché. Alors, simplement, quelquefois, il faut faire un peu d'ingénierie financière pour y arriver. Et c'est ça qui permet d'aller chercher les investisseurs. Alors l'exemple que je peux vous donner qui est assez évident, c'est ce qu'on a fait sur la restauration des terres, où là, on part d'un besoin qui est évident, qui est il faut restaurer des terres qui sont dégradées partout dans le monde, dans les pays en développement notamment, et donc en replantant soit de la reforestation, soit de l'agroécologie, soit de l'agroforesterie, etc. Ce sont des projets qui sont à long terme, c'est des projets qui peuvent avoir 10 ans, 15 ans d'horizon, qui sont risqués évidemment, parce qu'on est en train d'avoir comme contrepartie des petits fermiers locaux au Pérou ou au Bhoutan, dans des pays, quelquefois, avec des problématiques de risque spécifiques, risque pays, avec du risque devise aussi, quelquefois. Et puis des rentabilités qui sont incertaines. Pas nulles, mais incertaines. Et donc, pour aller attirer des investisseurs sur cette histoire-là, c'est extrêmement compliqué. Très peu d'investisseurs vont aller là, parce qu'ils vont préférer avoir la technologie mature dans des pays développés. Et donc pour y arriver, eh bien on va faire de la combinaison de différents types d'investisseurs. Et on va aller chercher
l'AFD, par exemple, et d'autres, et la BEI, et d'autres gouvernements, qui vont venir nous apporter de la garantie. Et donc ils vont venir dérisquer ces projets. C'est-à-dire qu'ils vont dire, nous, on est un investisseur public, et donc notre rôle, c'est précisément de prendre plus de risques que les autres. Et donc si ce projet-là se plante, eh bien, on va prendre des premières pertes. Et donc on a construit un produit dans lequel environ entre 20 et 30% de l'investissement vient de ces acteurs publics qui sont prêts à prendre plus de risques. Et ça permet de rassurer les investisseurs privés qui, du coup, peuvent venir financer ces projets-là alors qu'ils n'auraient jamais financé ces projets-là spontanément. Et c'est ça qu'on arrive à combiner. Et donc c'est ça qui nous permet de réellement aller répondre à des objectifs qui aujourd'hui sont très difficilement réalisables par le marché, je dirais, traditionnel. Oui. Après, il faut qu'on fasse attention avec les définitions. Je pense que on se considère comme un investisseur qui prend en compte les impacts sur la totalité de ce qu'on fait. Après, le niveau d'impact que l'on a, il est quand même assez différent d'un produit à un autre. Quand on investit, encore une fois, dans une grande entreprise cotée en bourse et quand on fait un projet de ce type-là au Pérou, c'est pas le même niveau d'impact. Nous, on définit l'impact par différentes critères, différents critères de preuve, en quelque sorte. Le premier critère de preuve qui nous paraît essentiel, c'est l'intention. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'impact quand on ne veut pas en faire. Et c'est vraiment très très important parce que souvent on voit des produits financiers qui vont aller faire du reporting en disant voilà, on a créé tant d'emplois ou on a consommé moins d'eau, etc. Mais est-ce que c'était vraiment ce qui était recherché au démarrage? Donc ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que je veux faire? Si mon objectif, c'est de faire de la restauration des terres, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je le fais? Quels sont les indicateurs que je recherche? Si je veux, par exemple, promouvoir l'égalité homme-femme dans les entreprises, comment je le fais? Nous, on a créé un fonds qui investit dans les entreprises dans lesquelles il y a au moins 30% de femmes dans les équipes de direction. On s'est fixé un objectif et on veut essayer de l'atteindre à travers nos investissements. Donc première idée, l'intention. Deuxième idée, c'est l'additionnalité. Et c'est là où on a des niveaux différents selon ce qu'on fait. L'additionnalité, ça veut dire, si vous n'aviez pas été là, est-ce que ça aurait marché sans vous? Voilà. Alors, il y a des endroits où on voit bien que notre additionnalité, elle existe, mais elle est relativement faible, quand on est notamment sur les marchés cotés, où on représente 0,1 ou 0,2% de l'actif, eh bien, même si on fait beaucoup d'engagement, même si on fait beaucoup de choses à côté de notre investissement, on voit que notre additionnalité, elle est plus faible que quand on investit dans, par exemple, les acteurs de l'économie sociale et solidaire pendant la crise du Covid, où on est les seuls à venir. Et le troisième critère, c'est la mesurabilité. C'est qu'il faut que ça soit mesurable, et donc on ait des indicateurs qui démontrent effectivement qu'on a atteint un certain nombre d'objectifs. Voilà, à travers ces trois indicateurs-là, vous pouvez savoir ce que c'est que l'investissement à impact et donc avoir plus ou moins d'impact et de faire attention de ne pas trop raconter n'importe quoi dans ce domaine. Je pense surtout à des jeunes aujourd'hui. Je pense qu'on est face... Enfin, quand même une vraie question sur la jeunesse, quoi. On lègue notre génération. Quelqu'un l'a dit hier dans une conférence. On a une génération de chanceux et on laisse un héritage qui est questionnable. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a effectivement un certain nombre de jeunes qui sont en capacité de comprendre ça et de rebondir. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on regarde beaucoup dans les années qui viennent. Si j'avais un nom à citer aujourd'hui, ce serait peut-être celui de Greta Thunberg. C'est-à-dire quelqu'un qui a réussi à projeter le point de vue de la jeunesse et des générations futures comme étant une des priorités. Voilà. Si on arrive à écouter ça, ça serait bien.